Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va être consacré à la QVCT. Aujourd'hui, donc pour 45 minutes, j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec ma collègue Aline Drone, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pascal. Ravie d'être avec toi ce matin. Je suis donc Aline Drone, chargée de mission à l'ARACT Grand Est. Super, merci Aline. Donc moi, Pascal Herret, je suis chargé de mission au sein de l'ANACT, hein, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et j'ai le plaisir également de co-animer ce webinaire avec vous, avec Aline. Donc, quelques mots sur l'ANACT et son réseau, hein, pour, je pense qu'une grande partie d'entre vous le connaissent. Donc, on est une agence nationale, hein, qui a pour vocation d'améliorer les conditions de travail et ce, en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et au cœur de nos approches et de nos méthodes, il y a le paritarisme, le dialogue social, qui est un élément clé. Aujourd'hui, on est une agence nationale et plusieurs agences régionales. Demain, on sera une organisation fusionnée, unifiée. Mais ça, ce sera pour dans quelques mois. Alors, on va démarrer le webinaire en vous présentant un petit peu le contenu de la présentation. Donc, on va avoir une présentation en trois grands points qui vont être consacrés dans un premier temps le repérage des ajustements et des modifications qui sont intégrés par l'intégration du concept et la notion plutôt de QVCT et de pourquoi finalement cette notion est arrivée dans le paysage. On développera ensuite les trois dimensions de cette QVCT et on intégrera enfin quelques éléments de présentation sur comment se lancer dans cette QVCT. Puis on finira par un temps dédié de questions-réponses qui ne nous empêchera pas au cours de la présentation de prendre en compte vos questions. Quelques-unes, bien évidemment, on ne pourra pas prendre l'ensemble des questions posées. Alors, ce qu'on vous propose pour démarrer cette présentation, c'est de faire un petit sondage rapide et avant de parler de la QVCT, finalement, de savoir où vous en êtes sur la QVT, dans la mesure où vous êtes concerné. Donc, vous avez un petit onglet sur votre droite qui vous permet de répondre au sondage. Donc, on va prendre quelques secondes pour que vous puissiez répondre à ce petit sondage qui vous permet de savoir où vous en êtes de la QVT dans votre structure, si vous avez mis en place une démarche ou pas, ou simplement des actions, si vous n'êtes pas concerné, ou si, le cas échéant, vous envisagez de mettre en place une démarche dans quelques temps. OK. Donc, vous répondez, on va encore attendre quelques temps. Ça s'équilibre. Encore quelques secondes. Bon, c'est assez étonnant. OK, on va fermer les votes. Donc, vous avez les résultats qui vous seront affichés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a finalement des réponses qui se partagent globalement en trois réponses, hein. C'est-à-dire que pour un tiers d'entre vous, vous êtes en réflexion sur la QVT. Pour certains, vous avez déjà engagé des actions, mais pas forcément structurées dans une démarche QVT. Et un tiers d'entre vous s'est engagé dans une démarche QVT. Donc, c'est intéressant parce que finalement, on va voir quelles sont les incidences, hein, ou pas de la QVCT par rapport à ce que vous avez déjà mis en place. Donc, un certain nombre d'entre vous vont finalement être dans soit la découverte, soit la mise en place directement d'une démarche QVCT. Pour d'autres, effectivement, on va être sur une bascule avec une transition, vous le verrez, qui restera relativement réduite et dont les impacts seront relativement réduits pour peu que vous ayez mis en place effectivement une démarche QVT selon, on va dire, les principes et les attendus qu'on peut porter nous au sein du réseau et qu'on va vous présenter aussi dans ce webinaire. Très bien, merci en tout cas d'avoir répondu à ce petit sondage. Et je vais passer maintenant la parole du coup à Aline qui va finalement introduire cette notion de QVCT
qui arrivent dans le paysage des entreprises. Aline, je te laisse la parole. Vas-y. Merci, merci Pascal. Du coup, on ne peut pas parler de la qualité de vie au travail sans parler des accords nationaux interprofessionnels, évidemment. On a notre premier accord de 2013 qui a été signé par les partenaires sociaux, hein, qui s'appelle « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle » et qui déjà montre son attachement à la notion de travail. Son préambule d'ailleurs nous le signale, hein, plusieurs fois ce mot « travail » a été utilisé, si mes souvenirs sont bons, une petite vingtaine de fois. Donc, ça montre quand même qu'on n'est pas sur les accessoires du travail. Donc, on le rappellera certainement tout au long de ce webinaire. Hein, on n'est pas sur la mise en place des baby-foot, des conciergeries, etc., etc. Même si ça peut être très intéressant pour les salariés, ce n'est pas ce dont on va discuter pendant ce temps ensemble. Dans cet accord national interprofessionnel de 2013, effectivement, l'idée est vraiment de concilier à la fois les conditions de travail des salariés et la performance de l'entreprise. Pour le coup, dans le titre 2, article 1 de cet accord national interprofessionnel, si je ne me trompe pas, il est dit « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. » Donc là, les partenaires sociaux nous disent, à la fois nous donnent une définition assez vaste de ce qu'est la QVT, mais aussi rappelle ou insiste sur le fait que c'est la capacité à exprimer, à agir sur le travail des salariés qui fait qualité de vie au travail. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est aussi, donc c'est renouveler cet attachement, c'est renforcé dans l'accord national interprofessionnel de 2020 qui est intitulé « Pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé et de conditions de travail » et qui, pour le coup, là, la qualité de vie et les conditions de travail, donc QVCT, qui est important, et les partenaires sociaux ont souhaité souligner ce nouvel acronyme, pour le coup, en disant que la qualité de vie au travail et son corollaire, donc ce qui découle de la qualité de vie au travail, c'est la qualité des conditions de travail qui participent à la qualité du travail et à la prévention primaire. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est ce qu'ont voulu souligner les partenaires sociaux en ratifiant cet accord national interprofessionnel de 2020. Aussi, évidemment, ce qu'il faut que l'on souligne de manière forte, c'est qu'aujourd'hui, QVCT est dans le Code du travail, c'est intégré dans le Code du travail, ne l'oublions pas. Et évidemment, les plans santé-travail établis par les partenaires sociaux et l'État se saisissent de cette question, se saisissent de cet acronyme et l'ont intégré dans les plans santé-travail, à la fois le plan santé-travail, le quatrième plan santé-travail, mais aussi dans le plan santé-travail de la fonction publique. Et vous avez les périodes qui sont inscrites dans notre premier slide. Si tu veux bien, Pascal, on va poursuivre. Alors là, c'est les slides, vous les aurez à la fin du webinaire, hein, évidemment. Donc, c'est la petite phrase que j'ai soulignée tout à l'heure qui est très importante pour la qualité de vie au travail. Alors, effectivement, aujourd'hui, notre webinaire, c'est qualité de vie au travail vers la qualité de vie et les conditions de travail, donc QVCT. Pourquoi les partenaires sociaux insistent, c'est parce que à la fois ils ont tiré des enseignements de ce qu'était la QVT
finalement de 2013 à 2020, et puis il propose une évolution. Alors pour le coup, le réseau ANACT ARACT se saisit de ce nouvel acronyme pour proposer à la fois une réaffirmation du périmètre qu'elle travaille. Donc trop souvent on entend qualité de vie et trop peu travail, donc là ça réaffirme la question du travail. C'est aussi donner à voir une méthode beaucoup plus lisible, et c'est inscrit d'ailleurs, cette méthode elle est inscrite dans l'accord national interprofessionnel de 2020, et puis ça renforce l'objectif d'améliorer la santé et la performance. Pour nous, ça c'est très important aussi d'avoir ces éléments-là en tête. Pour le coup, les partenaires sociaux et nous-mêmes, il y a un bilan qui est assez mitigé sur la question de la qualité de vie au travail. Alors, mitigé dans le sens où il y a des limites, et notamment une limite qu'on a vu arriver en 2015 avec la loi Rebsamen, qui finalement proposait une négociation sur la qualité de vie au travail en donnant des éléments finalement plutôt liés aux conditions d'emploi. Donc, un petit peu plus restreint. Donc, on est sur la négociation de rémunération et temps de travail, de répartition de la valeur ajoutée, de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Donc, du coup, pour le coup, ça réduit un peu ce qu'est la qualité de vie au travail, alors qu'on est aussi à la fois sur les conditions d'emploi, mais aussi sur les conditions de travail. Donc, ça, c'était quelque chose qui nous semblait assez important à donner à voir, parce que finalement, c'est la démarche vers laquelle les partenaires sociaux voulaient aller, c'était de dire aux entreprises, finalement, il faut une politique plus intégrée de la qualité de vie au travail. Et du coup, c'était l'idée d'éliminer, voire de réduire ce qu'ils appelaient les millefeuilles d'accord. Où là, l'idée de la qualité de vie au travail aurait été plutôt un chapeau d'une politique intégrée au sein de l'entreprise. Donc, le bilan des accords nous montre quand même que les accords vont assez peu sur le contenu du travail et sur les organisations du travail, hein. On est plutôt sur de la prévention tertiaire, ce qu'on pourrait appeler la prévention tertiaire, donc plutôt sur de l'accessoire ou dans le travail. Et du coup, il y a une espèce de détournement comme ça de la qualité de vie au travail. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, on peut vous donner une illustration. Récemment, nous sommes allés dans une structure, et dans cette structure, la direction nous dit on s'est mis d'accord, on a mis en place une salle de repos zen. Pour nous, ça c'est de la qualité de vie au travail, donc on l'a aménagé, on a mis des fauteuils massants, etc. On pose la question, et donc quel impact ça a? Et il nous répond, aucun, parce que finalement, personne n'y va, personne ne s'en sert, parce qu'effectivement, on n'a pas réfléchi en amont à l'organisation du travail, la charge de travail, qui finalement était le centre des questions dans cette structure. Donc voilà, on voit des limites plutôt sur ces éléments-là. Alors on vous en passe, hein, puisque Pascal pourrait vous parler de son exemple sur les arbres à insectes. Voilà, on a une flopée d'illustrations qui montrent que les démarches QVT pouvait avoir des limites quand même, mais on a aussi finalement de véritables apports qui permettent de remobiliser les démarches qualité de vie et conditions de travail. Alors, pour le coup, là, on peut passer directement à des illustrations. Ce que l'on voit, par exemple, quand on est allé récemment dans une structure qui va introduire des tablettes numériques. Dans l'introduction des tablettes numériques, la direction me dit,
Mais écoutez, Aline, ça va se faire vite, j'ai les tablettes, on va former les gens à l'utilisation des tablettes, on va mettre une petite démarche qualité de vie au travail, mais franchement, si ça dure 3 mois, ça devrait être suffisant. Ça, c'était en janvier 2021. Aujourd'hui, les tablettes ne sont introduites que dans un seul et unique service. Bah oui, parce que effectivement, l'idée d'introduire de nouvelles pratiques professionnelles à travers un outil, ça se travaille et ça se travaille notamment quand on va discuter des enjeux et des enjeux pour chaque métier, par exemple. Donc là, c'était le cas. Il y a eu un comité QVT qui s'est mis en place et qui représente l'ensemble des métiers dans la structure et chacun a pu dire. Moi, mon enjeu à moi dans mon métier, dans mon travail au quotidien, c'est ça. Donc, comment on fait en sorte que chacun puisse discuter de ses enjeux et puis en faire quelque chose de commun pour l'expérimenter, c'est-à-dire tester l'intégration de cet outil numérique dans sa pratique professionnelle, dans son quotidien professionnel, et ensuite comment on va ajuster cette pratique et son usage avec l'habileté de chacun. Et puis, c'est aussi ce qu'on a vu quand on voit des structures qui ont fait des démarches, mis en place des démarches qualité de vie au travail avant la crise sanitaire, parce que la crise sanitaire a été aussi un révélateur sur finalement quel est l'intérêt d'une démarche qualité de vie au travail, c'est que dans des temps dégradés, notamment la crise sanitaire dans le secteur médico-social, hein, dans les EHPAD notamment. Les EHPAD qui ont eu une habitude de mettre en place les comités, les comités QVT, finalement se sont ressaisis de la mobilisation des acteurs et des différents acteurs représentants du personnel et différents salariés, différents métiers, pour les intégrer dans leur cellule de crise, ce qui a été beaucoup plus favorable pour pallier ou faire face et tester, ajuster les réorganisations rapides qu'ils ont pu avoir tout au long de cette crise sanitaire. Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que ces démarches peuvent avoir véritablement un apport fort. Dans des moments de ce type-là aussi. Ok, merci Aline. On a quelques questions là qu'on va peut-être commencer à traiter. Pardon. La première, elle concerne le changement des pétales en fait de la fleur QVT hein, qui est largement diffusée. Oui, effectivement, ce qu'il est prévu dans le cadre de la QVCT, c'est de profiter effectivement de l'introduction de cet acronyme pour mettre à jour les 6 dimensions, en tout cas les 6 pétales, en tenant compte notamment de nouveaux enjeux ou de nouvelles problématiques qui ont pu émerger depuis 2013. Donc ça, c'est un premier point. La prévention effectivement des violences sexistes au travail et du harcèlement fait aussi partie des dimensions à appréhender dans le cadre de la QVT, hein, oui, très clairement. Sur la différence entre QVCT et QVT, là, effectivement, il y a une remarque sur la différence qui est quand même relativement ténue, c'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se mentir, on le disait très, très clairement. C'est une réaffirmation effectivement de la centralité du travail. J'y reviendrai après, je pense que c'est un point qui est vraiment central. Sur le plan de la méthode, finalement, et ce que disait Aline aussi, c'est que ça permet d'enrichir ce qui n'existait pas, ce qui n'était pas proposé en 2013 par les partenaires sociaux. Il y a eu depuis un certain nombre de chemins qui ont été faits. Et du coup, cette méthodologie aujourd'hui, elle a été éprouvée, elle a un peu structurée, et on en reparlera. Du coup, elle peut être proposée. Et puis sur les objectifs et les finalités. Il nous semble que là, il y a peut-être un enjeu à réaffirmer effectivement les objectifs en termes de santé et de performance, parce que l'idée, c'est aussi de se dire que la démarche QVT n'est pas qu'une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'il y a aussi un vrai enjeu et un vrai objectif du coup d'associer ces deux dimensions, et ça, j'en reparlerai un petit peu après. Ensuite, on a une question qui est liée au ce constat n'est-il pas plus lié à un manque d'engagement des gouvernances qu'à un problème de compréhension du terme QVT? Je ne sais pas si tu veux y répondre, Aline. J'ai pas entendu, excuse-moi. Ah, pardon.
Ce constat n'est-il pas plus lié, en tout cas le constat que tu faisais, et notamment sur les limites hein, et la compréhension du terme QVT, et là, du coup, il y a Joseph là, qui fait effectivement cette remarque-là. Est-ce que ce constat n'est-il pas plus lié finalement à un manque d'engagement des gouvernances qu'à un problème de compréhension du terme QVT? Oui, c'est peut-être pas si catégorique, mais oui, il peut y avoir des difficultés en tout cas, de re-questionner l'organisation du travail. Je pense que c'est plutôt là que ça se joue, il me semble. Et pour le coup, parfois, c'est un peu plus facile d'aller sur de l'accessoire, les accessoires du travail, ce qui permet de se mettre un petit peu d'accord finalement en extérieur. Mais l'engagement, j'ai envie de dire, il est à la fois des directions, mais aussi des représentants du personnel. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'il y ait un engagement des deux parties dans l'entreprise pour réussir à mettre en place des démarches QVT, QVCT. Ok. On va continuer du coup la présentation et puis on fera une petite séquence hein, de réponses à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Du coup, je vais revenir sur ce qu'a commencé à développer Aline, sur ce qui pour nous sont finalement les trois dimensions de la QVCT. Et donc, il y a bien cette dimension de l'objet ou de périmètre qui est effectivement la question du travail, donc je vais revenir dessus parce que c'est un point qui est quand même important. Un objectif qui est bien aussi de faire effectivement du travail un levier d'amélioration de la santé et de la performance, donc de voir aussi comment ce sujet-là peut être abordé. Et puis des éléments de méthode où là on insistera quand même sur ce qui pour nous sont les éléments clés finalement de la méthode qui peut être proposée pour mettre en place une démarche QVCT, aussi en tirant du coup les enseignements de ce qui a pu se faire et se réaliser dans le cadre des démarches QVT. Donc on voit bien que, et c'est intéressant qu'il y a l'ajout du C hein, dans l'acronyme QVT, passage à QVCT, et que ça rappelle effectivement les conditions de travail et que ça rappelle que les conditions de travail sont au cœur de la QVCT. J'en discutais hier avec un collègue d'ARACT en intervention qui me disait finalement le C, c'est une manière de rappeler qu'il y a le T. Finalement, le C permet de réhabiliter le T, donc de réhabiliter le travail. Parce que ça paraît évident quand on parle de QVT pour ceux qui le pratiquent, on va dire dans les règles de l'art, qui font ça de manière centrée sur le travail. Mais on observe aussi que dans un certain nombre de cas, effectivement, cette question du travail qui doit être centrale ne l'est pas forcément. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que l'élément central de la démarche QVCT, c'est la question du travail. Donc, c'est la question des conditions de travail, la question des horaires, la question de la répartition du travail, la question des modes de management, c'est aussi la question des conditions d'emploi, le statut, est-ce que je suis dans un statut plus ou moins précaire finalement, et puis c'est aussi, et ça c'est extrêmement important, ce qu'on appelle la notion d'activité, l'activité réalisée, l'activité de travail, c'est-à-dire concrètement, comment dans le travail, aujourd'hui, un salarié ou des salariés, au-delà des conditions qui leur sont proposées, travaillent réellement. C'est-à-dire comment ils gèrent des aléas, comment on leur donne et ils peuvent mobiliser des ressources, comment on leur donne des marges de manœuvre pour s'ajuster, s'adapter. Hein, si on prend aujourd'hui le secteur hospitalier ou le secteur du soin, que ce soit en EHPAD ou en hôpital, entre ce qui est prévu, le nombre de patients à prendre en charge et la réalité en fonction des absences, en fonction des problématiques aussi matérielles qui peuvent se poser, ben finalement, la réalité du travail n'est pas forcément celle qui est affichée, qui est prévue. Et souvent, c'est un point aveugle. C'est-à-dire que, y compris sur la manière dont on aborde la question du travail, on oublie souvent la manière dont réellement le travail est fait et ce que ça nécessite pour les salariés, finalement, comme effort, comme adaptation, mais aussi comme parfois capacité à être créatif, à trouver des solutions qui ne sont pas forcément prévues dans les protocoles ou dans les manuels. Et ça, c'est extrêmement important à rendre visible, et c'est ce que intègre la QVCT comme le faisait la QVT. Mais de ce point de vue-là, il nous semble que là, à travers la QVCT, le sujet, ou en tout cas le périmètre, est plus clairement posé et qui semble plus difficile aujourd'hui, et ça répond à l'une des questions, d'aller sur des biais qui seraient effectivement des périphériques du travail ou des éléments de confort qui
finalement, c'est ce que disait Aline tout à l'heure, ne permettent pas à un moment donné de répondre aux besoins et aux enjeux des salariés. Quand j'ai un problème de charge de travail, quand mon manager, à un moment donné, n'est pas disponible pour m'aider à trouver une solution, pour plein de raisons hein, qui sont liées aussi aux contraintes et aux conditions de travail des managers, c'est ni le baby-foot ni le massage qui va m'apporter une réponse. Donc, c'est la question de la connexion entre les réponses périphériques qui peuvent être apportées et les vrais sujets qui sont portés par les salariés. Ça veut dire que c'est inutile, mais dans des contextes dégradés, ça peut même être contre-productif parce que finalement, ça envoie des messages qui finalement indiquent qu'on est dans une à la fois méconnaissance des réalités et des problématiques des salariés, voire contribue au manque de reconnaissance des salariés eux-mêmes. Donc, dans ce cadre-là, et par rapport aussi à la question à laquelle on a répondu tout à l'heure, on va effectivement structurer autour de plusieurs dimensions, plusieurs thématiques, hein, comme le faisait et le fait aujourd'hui, on va dire, la fleur QVT, plusieurs thématiques qui permettent effectivement d'entrer, d'aborder la question du travail, sachant que ce qui est important aussi de retenir, c'est que ces thématiques, on dit qu'elles se parlent, c'est que quand on parle par exemple des problématiques d'organisation du travail, de contenu du travail, et qu'en parallèle on parle des questions de management, les deux peuvent être liés, c'est-à-dire que la question du management ne se joue pas que sur les pratiques des managers eux-mêmes, mais aussi les conditions qui leur sont données, la répartition de leur travail et les moyens à un moment donné qui vont se jouer dans la case ou dans la thématique conditions de travail. Donc c'est une manière aussi, et ça c'est important, de se dire qu'il y a plusieurs manières d'entrer sur la question du travail, mais que derrière, quand on fait bien finalement cette analyse-là, on est amené à faire le lien avec les différentes thématiques, elles sont articulées les unes aux autres. Donc ça, c'est la première dimension, le rappel extrêmement fort de ce qu'est la QVCT, c'est-à-dire le travail en premier lieu. Ensuite, ce qui nous semble aussi important de rappeler, parce que c'est aussi une difficulté parfois dans les entreprises qui s'engagent dans une démarche, à l'époque QVT, maintenant QVCT, c'est de se dire que derrière la démarche QVT, elle a vraiment un enjeu et un objectif qui doit se définir aussi à l'échelle de l'entreprise, mais qui est bien d'améliorer la santé des salariés et la performance de l'entreprise dans ses différentes dimensions. Et que du coup, le travail, le débat et la discussion sur le travail, sur les conditions de travail et les différentes dimensions que j'évoquais tout à l'heure, sont une manière finalement d'agir sur ces deux dimensions de manière conjointe. Ça veut dire que quand on démarre une démarche QVCT, l'enjeu, il est bien de se dire autour des objectifs qui sont ceux de la démarche, en quoi la démarche doit aider, permettre d'agir sur ces deux volets-là. Et ça veut dire aussi se questionner sur ce qu'est finalement notamment la performance. La performance, elle n'est pas la même dans une entreprise industrielle ou dans un EHPAD ou dans une association culturelle ou sportive. Les choses ne se jouent pas de la même manière, mais c'est important de se mettre d'accord sur les enjeux et la manière de les articuler pour que ce soit finalement une organisation, un mode de fonctionnement qui soit acceptable et profitable pour tous. Donc ça, c'est un point qui est important. Et pour illustrer, j'avais une discussion il n'y a pas très longtemps avec des collègues, des connaissances d'une entreprise hein, qui intervient dans le conseil en informatique, hein, notamment dans le secteur hospitalier. Et dans la période actuelle, avec effectivement la crise Covid qui les a amenés à beaucoup plus travailler à distance alors qu'ils étaient déjà amenés à le faire, avec les questions notamment environnementales et puis les questions aussi de conditions de travail des salariés, ils étaient en train de réfléchir justement sur la manière dont aujourd'hui ils allaient construire déjà un nouveau modèle de fonctionnement et d'organisation qui permette peut-être davantage travailler à distance et d'intégrer en cela aussi les impacts de leur travail sur notamment la dépense énergétique, parce que les clients avec lesquels ils travaillent sont aussi questionnants de ce point de vue-là, et en même temps trouver un compromis entre les conditions acceptables pour les salariés en termes de déplacement et de travail à distance, acceptables pour les clients en termes de services rendus, ce qui peut être fait à distance et ce qui peut être fait sur site, parce qu'ils avaient l'habitude de beaucoup aussi travailler sur site. Donc on voit bien que dans la réflexion qui peut être menée, c'est ces différentes dimensions qui vont être discutées en interne dans l'entreprise, mais aussi en lien avec l'externe et avec notamment les clients qui peuvent être associés. Et ce qui nous semble intéressant de ce point de vue-là, et d'ailleurs l'accord, les deux accords, hein, 2013, mais celui de 2020 le rappelle bien, c'est que la discussion sur la qualité du travail peut être vraiment un moyen
de mettre en discussion, de mettre en débat dans l'entreprise, auprès des salariés, avec le manager, la question de l'impact du travail sur la santé, la performance et la manière de l'améliorer de manière concrète et opérationnelle. Parce que ça permet à la fois de parler de qualité du travail, de la qualité des services que l'on rend, des produits qu'on fabrique, du retour utilisateur, des usagers et des clients, et puis en même temps de se dire comment ça il a été fabriqué, comment ce service a été rendu. Et du coup, ça pose là la question des conditions de travail et du travail qui est réalisé pour les salariés pour fournir ce service ou fabriquer ce produit-là. Et puis peut-être pour finir, cette discussion autour des enjeux de santé et de performance et en quoi la démarche QVCT permet d'y répondre, ça permet aussi d'intégrer de nouveaux enjeux du travail. Alors là, on citait l'exemple des questions environnementales et des questions d'écologie et de leur impact sur le travail, mais ça peut être aussi des enjeux autour du numérique. Mais par exemple, la loi Pacte, elle impacte aujourd'hui les entreprises puisqu'elle leur demande de repérer aujourd'hui dans quelle mesure leur travail, leur activité impacte potentiellement les questions environnementales et quel type d'action ils peuvent mettre en place. De la même manière, les CSE aujourd'hui peuvent se saisir de ces questions aujourd'hui dans le cadre de leurs prérogatives, des questions environnementales. Donc on voit bien qu'il y a aussi une évolution qui est à intégrer, qu'on peut intégrer à travers effectivement la démarche QVCT autour de ces enjeux santé-performance. Pour poursuivre, et puis on pourra faire un jeu de questions-réponses après cette petite séquence-là, c'est finir sur la méthode, avec des points à la fois de rappel par rapport à ce qu'on peut proposer sur la démarche QVT, hein, qui sont du coup reprises par les partenaires sociaux et qu'on retrouve dans la démarche QVCT, mais peut-être en insistant sur les points qui nous semblent, les dimensions qui nous semblent essentielles. La première, c'est l'idée effectivement d'engager et d'élaborer une dynamique collaborative. Et que ça passe notamment, vous avez le petit schéma sur la droite, par la mise en place. Alors nous, dans notre jargon, on parle de la mise en place d'un système d'acteurs, hein, mais qui est l'idée de dire qu'on va mettre en place notamment une instance de pilotage, hein, Aline en parlait tout à l'heure, mais aussi des espaces où la discussion va se faire en proximité avec les salariés, hein, l'accord par la discussion directe aussi, avec les salariés pour parler de leur travail et trouver des solutions. Et ce qui est caractéristique de cette approche-là, c'est que, elle vise à la fois à s'appuyer sur le dialogue social, c'est-à-dire l'instance de pilotage, pour nous, elle est forcément paritaire. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit, elle s'appuie sur la contribution à la fois et l'engagement de la direction. Tout à l'heure, il y avait la question de l'engagement. Pour nous, elle est indispensable. Et l'engagement des représentants du personnel lorsqu'il y en a dans l'entreprise. Et puis, au-delà de ça, on est aussi dans une logique de décloisonnement avec l'idée d'intégrer différents points de vue qui permettent à un moment donné de parler du travail, mais aussi de parler des enjeux de santé au travail et des enjeux de performance, avec des acteurs qui ont un mot à dire sur le sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas le domaine réservé ni de la direction, d'une certaine manière, ni des représentants du personnel, mais que c'est bien quelque chose de partagé et qui doit se construire dans la durée. Et cette question du pilotage, c'est à la fois une condition pour l'engagement et maintenir dans la durée autant que possible la démarche, et c'est en même temps l'expression de cet engagement. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement important. Et juste pour finir sur ce volet-là, ce qui est important aussi, c'est le lien à l'environnement de la structure. J'en parlais tout à l'heure sur des questions qui peuvent être des questions liées à l'environnement du travail, enfin à l'environnement et à la question écologique, par exemple. Mais c'est vrai aussi quand on parle d'attractivité. Sur les questions d'attractivité, par exemple, certes, il y a des vrais sujets pour l'entreprise autour de ses conditions d'emploi ou de celles qu'elle propose, des parcours professionnels dans l'entreprise, des questions qui concernent l'entreprise, mais qui concernent aussi parfois un territoire ou un secteur d'activité. Et que là, on voit bien que la problématique de l'attractivité peut se jouer aussi en lien avec cet environnement. Et de la même manière, quand on est sur des projets de transformation, il est important de faire travailler ensemble les managers ou les concepteurs de cette nouvelle organisation de ce projet. Ça peut être un projet ici, par exemple, hein, un nouveau logiciel dans l'entreprise, et les fournisseurs qui vont aussi appuyer et travailler avec l'entreprise, de bien les intégrer effectivement dans la réflexion qui est menée dans le cadre de la QVCT dans l'entreprise. Pour poursuivre sur la méthode, un élément clé et qui pour nous est à remettre de manière assez centrale dans la méthode, c'est le fait de pouvoir mener des expérimentations.
Pourquoi ? Parce que l'objectif de la démarche QVCT, il est vraiment de pouvoir engager les acteurs dans l'action, c'est-à-dire de pouvoir rapidement mettre en œuvre des modifications, des manières de travailler ou de l'organisation. Parce qu'on sait bien aussi, hein, et d'expérience, que l'enjeu n'est pas de faire un état des lieux ou un diagnostic pour un diagnostic qui produit un beau plan d'action, mais qui derrière ne débouche sur rien. Il est bien de transformer au plus près du terrain pour montrer que ça fonctionne, mais aussi pour déclencher des transformations dans la manière de travailler les sujets. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on va aller sur l'action qu'on va pouvoir aussi engager ou favoriser l'engagement des salariés dans la démarche. Et la méthode d'expérimentation, elle a aussi cet avantage-là, qu'elle prévoit à la fois un temps de conception, c'est-à-dire que si je dois, par exemple, tester un nouveau planning ou travailler, je ne sais pas, sur une nouvelle procédure d'intégration, processus d'intégration des nouveaux salariés, je vais d'abord le concevoir. Et je vais, en le concevant, faire aussi diagnostic sur la situation existante. Le nouveau planning, il ne sort pas comme ça du chapeau, il est construit au regard de l'état des lieux que l'on fait de la situation et de la problématique qui est posée par le planning existant. Puis ensuite, on va le tester, on va l'ajuster. Et ce qui est important, c'est que ce sont les salariés concernés qui vont être impliqués dans l'élaboration et dans la phase de test de cette nouvelle organisation pour pouvoir, à un moment donné, aussi changer les fonctionnements et l'organisation, une partie de l'organisation, de manière plus sécurisée. Puisqu'on a testé, on est capable de dire que ça fonctionne plus ou moins bien et on est en capacité d'en tirer les conséquences. Et le dernier point, du coup, c'est aussi resituer le rôle de l'état des lieux. C'est-à-dire que l'état des lieux, il n'est pas là pour faire un diagnostic complètement finalisé où on aurait une vision complète et conséquente de tout ce qu'on peut dire sur ce qui se passe dans l'entreprise, hein, du point de vue du travail, parce que ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste pas forcément pas possible, et qu'à un moment donné, les choses bougent tellement vite dans l'entreprise que ce qui est vrai à un instant T n'est pas vrai forcément après, mais que l'enjeu, il est bien de permettre de préparer et de créer les conditions pour avoir des sujets d'expérimentation et des projets à expérimenter. Donc ça, c'est important aussi de bien resituer l'articulation entre état des lieux et expérimentation. Et puis pour terminer, un point qui est un point important pour nous et qui relève aussi de l'expérience tirée des enseignements finalement des démarches menées, c'est qu'on est aussi sur une méthode qui vise à valoriser en tout cas et partager l'expérience collective. Ce qui est important, c'est de communiquer, de partager les réalisations et les travaux qui ont été menés dans le cadre de la démarche. Et pour ça, on va en tout cas introduire dans l'approche autour de la QVCT l'idée aussi de s'appuyer sur l'évaluation comme étant un levier pour engager une réflexion collective régulière sur ce que amène la démarche, ce qu'elle produit en termes de pratiques et de résultats pour du coup favoriser aussi l'engagement dans la durée. Je vois que le temps passe relativement rapidement. On va peut-être, ce que je te propose, Aline, c'est de faire un petit topo là sur comment se lancer dans la QVCT, puis ensuite on finira par une salve de questions-réponses. Oui, merci. Excuse-moi, Pascal, j'avais coupé mon micro du coup. Pour le coup, effectivement, nous, ce que l'on voit en possibilité pour se saisir de cette démarche qualité de vie au travail et qualité de vie et conditions de travail, pardon. Ce que l'on voit quand même qui est assez favorable aujourd'hui, c'est de passer par les projets de transformation que les entreprises veulent mettre en place. Alors on a parlé des objets numériques, voilà, parce que ça change les pratiques professionnelles. Du coup, ça permet de discuter des pratiques professionnelles et du coup des conditions de travail et aussi des conditions de travail et il nous semble que c'est vraiment une opportunité de voilà utiliser les projets de transformation comme vraie opportunité pour mettre en place une démarche qualité de vie et conditions de travail dans l'entreprise. On a aussi quand ça dysfonctionne sur certains points particuliers, etc., c'est aussi intéressant de se saisir de ces dysfonctionnements pour mettre en place une démarche qualité de vie au travail, puisque de toute façon, ça permet aussi à l'ensemble des acteurs d'être impliqués et de pouvoir discuter du travail, puisque c'est le cœur de la démarche, en fait, c'est la discussion sur le travail. Et puis, évidemment,
que les négociateurs dans l'entreprise puissent se saisir aussi de ces démarches, de cette démarche pour négocier peut-être davantage sur le fond et donc sur la question du travail. Ça, c'est, il nous semble que c'est trois portes d'entrée, on va dire, nous semblent favorables pour mener à bien une démarche qualité de vie et conditions de travail. Voilà, pour faire rapide. Je t'entends pas, Pascal. Pascal, je crois que tu n'as pas ton micro. Ah, pardon. Oui, je disais, ce que je te propose, c'est qu'on prenne là, on va déborder un petit peu peut-être derrière, mais au moins déjà 5 minutes pour répondre à la volée aux différentes questions là, qui apparaissent. Il y en a un certain nombre. On ne pourra pas forcément répondre à toutes, mais dans un premier temps, de quand même prendre ce temps-là. Donc, je démarre et puis après, je te laisse aussi. C'est dommage parce que pendant que tu parlais, il y a quand même une petite question que j'ai trouvée super rigolote. Dis-moi. Finalement, est-ce qu'on ne parlerait pas de QVT washing en parlant de QVCT? Mais je pense que tu as un petit peu répondu sur le fait que ce soit un lien assez ténu entre QVT et QVCT. Voilà, c'est une question qui était, je trouvais, assez rigolote. Oui, il y en a plusieurs qui sont intéressantes qu'on peut essayer de reprendre. Alors, il y avait une question sur existe-t-il un modèle de questionnaire en acte dont on peut s'inspirer. En tout cas, il y a une démarche qui s'appelle GPS. Hein, là, vous pouvez regarder sur le site, hein, qui est un questionnaire un peu standard qui existe depuis quelques années. Donc ça, on pourra vous mettre le lien sur le chat. Il y avait une question. La question de la prévention de la santé est au cœur du dispositif. Pensez-vous que cela soit vraiment mis en avant dans le dispositif? En tout cas, pour nous, la QVCT, mais de cette manière comme la QVCT l'était, mais là, je pense qu'il faut l'affirmer encore plus par rapport à ce que disent les partenaires sociaux autour du lien entre QVCT et prévention primaire, c'est vraiment effectivement de voir comment la QVCT est aussi l'occasion effectivement de se saisir pleinement de la question de la santé au travail. Alors bien évidemment, des enjeux autour des obligations de prévention, hein, documents uniques, des actions et qui ne concernent pas que les RPS, hein, globalement l'ensemble des risques professionnels, mais c'est aussi autour de ça l'idée quand même d'aller au-delà de la prévention, c'est-à-dire que c'est aussi considérer effectivement, et ça c'est quand même un point central dans la QVCT, que c'est aussi un moyen à un moment donné de aussi permettre aux acteurs de faire du travail dans des bonnes conditions et du coup d'avoir, et comme le disait Aline en introduction, des conditions pour effectivement s'exprimer et agir sur leur travail. C'est-à-dire ce qu'on observe dans les démarches QVT et donc QVCT a fortiori qui marche bien, c'est effectivement une dynamique qui se crée où les acteurs prennent la parole, prennent la main aussi pour être force de proposition et à un moment donné trouver aussi des solutions dans l'entreprise avant même que la situation se dégrade. Donc on voit bien que là il y a effectivement une dynamique et des enjeux qui vont au-delà de la simple prévention dans le cadre des démarches QVCT. Il y avait une autre question, si tu permets aussi, c'est en quoi la transition écologique influe sur les conditions de travail de Liliane M, que je trouve intéressante parce que c'est un sujet aujourd'hui qu'on voit quand même fortement arriver, hein, la question de l'écologie du travail, question que l'on porte quand même au sein du réseau aussi. Et pour le coup, moi, il me semble que pour avoir fait un travail avec des métallurgistes sur la question, il y a un vrai impact sur les conditions de travail, mais en fait, ça dépend de quoi on parle quand on parle de transition écologique. Parce que quand on parle de transition écologique, si on est sur la métallurgie, par exemple, et notamment le secteur de l'automobile, aujourd'hui, on va sur la fabrication d'auto électriques. Et fabriquer une voiture électrique est évidemment extrêmement différent de fabriquer une voiture thermique. Et dans le bloc moteur, un bloc moteur d'une voiture électrique est extrêmement différent d'un bloc moteur
thermique. Donc, ce qu'on voit, c'est à la fois sur les questions d'espace de travail, sur des certifications, parce qu'on a d'autres formes de compétences, de développement de compétences, de parcours professionnel. Ça questionne énormément là-dessus, mais ça, c'est aussi le contenu du travail qui est différent. C'est des certifications à avoir parce qu'effectivement, le risque électrique est très différent, etc. Donc, on voit quand même que quand on doit changer de fabrication, ça a un impact sur les process, sur la façon dont on va fabriquer, sur les produits qu'on va utiliser, les matières premières, évidemment très différentes, et puis sur si on reste sur l'automobile, on n'est plus sur la réalisation d'un produit, voilà, ça reste assez différent. Mais dans la transition écologique, ce que l'on voit aussi, c'est tout ce que les entreprises vont faire sur plutôt sur les éco-gestes, hein, ce qu'on appelle les éco-gestes, c'est-à-dire on va, et c'est ce que les entreprises vont beaucoup là-dessus, sur le tri, la valorisation des déchets. Moi, il y a un salarié qui est dans une entreprise d'installation d'ascenseurs qui m'expliquait que les ascenseurs, aujourd'hui, quand on fait la maintenance dessus, on récupère les cartes mères des ascenseurs et auparavant, on les jetait dans les poubelles des bâtiments dans lesquels on intervenait. Aujourd'hui, on doit récupérer cette carte mère, on doit la démonter un petit peu et puis faire un tri. Mais sauf que ça, c'est demandé aux salariés, mais ce n'est pas inclus comme une vraie activité de travail, donc dans l'organisation du travail. Pour le coup, c'est à la fois, ça rentre, alors pénible est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, c'est une charge en plus qui n'est pas considérée dans l'organisation du travail et qui demande aussi une compétence un peu différente parce qu'on doit savoir ce qui va, quel bout de la carte mère va dans tel bloc de tri, etc., etc. Donc, on voit quand même que la transition écologique a des impacts et qu'on soit sur la fabrication de produits finis, qu'on soit sur des éco-gestes, mais aussi dans la question du dialogue social par les CSE qui ont une obligation hein, maintenant d'aller regarder un peu ces enjeux environnementaux. Et on le voit dans le numérique, par exemple, où les enjeux environnementaux sont importants. C'est-à-dire, on est sur des enjeux zéro papier, etc., etc. Donc, quand même, il se joue quelque chose dans le travail sur ces transitions écologiques. Ok, merci Aline. On va essayer de répondre à deux, trois autres questions. Là, les gens commencent à partir. Donc, peut-être que, et puis pour ne pas trop déborder, il y a une question sur avez-vous des indicateurs ou des KPI que l'on pourrait mettre en place alors, c'est une question intéressante à deux titres. Un, effectivement, il y a toujours un peu le sentiment que les indicateurs sont des moyens de, on va dire, de tout piloter ou de tout connaître. Et néanmoins, c'est aussi important, du point de vue notamment des décideurs dans l'entreprise, mais pas que, d'avoir aussi des indicateurs qui permettent à un moment donné d'évaluer les impacts, notamment de la démarche PVCT. Première réponse, on n'a pas d'indicateur type. C'est-à-dire que l'enjeu, et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand on lance une démarche PVCT, c'est chaque entreprise finalement qui définit, un, les enjeux et les sujets sur lesquels elle veut travailler, et deuxièmement, y compris sur la question de comment on veut améliorer la performance, hein, la performance et la qualité des produits, la performance économique, ça peut être aussi un enjeu, et en même temps, comment on peut travailler l'amélioration des conditions de travail pour préserver ou améliorer la santé des salariés. Ça, c'est quelque chose qui doit être défini dans l'entreprise. À la fois les enjeux et du coup, après les objectifs, finalement, les indicateurs qui permettent de mesurer collectivement que le travail a permis de produire, du point de vue, y compris des partenaires sociaux, des représentants du personnel, comme de la direction, des managers ou des salariés, des effets attendus. Donc ça, c'est un sujet qu'on essaye de travailler dans le cadre de l'évaluation dont je parlais tout à l'heure, sur comment aider les entreprises, finalement aussi, dans le cadre de leur démarche QVCT, à construire collectivement des indicateurs qui permettent à un moment donné d'évaluer ce que produisent les actions menées dans le cadre d'une démarche QVCT. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus que sur des indicateurs
quantitatifs ou des indicateurs économiques. Ça veut dire que ça implique aussi une réflexion sur des indicateurs qui prennent en compte la question du travail dont je parlais tout à l'heure. Et donc ça, c'est un vrai sujet, en tout cas, qui devrait permettre d'aboutir là, dans les semaines à venir sur des éléments qu'on pourrait vous proposer. Peut-être une autre question. QVT correspond trop souvent à une ligne budgétaire à un coût. Oui, effectivement, c'est-à-dire que la question là, qui est posée à travers la QVCT, c'est de se dire que le travail n'est pas un coût. À l'inverse, c'est une ressource et c'est un moyen, effectivement, y compris de favoriser la performance de l'entreprise dans ces différentes dimensions. Peut-être une dernière question qui me semble intéressante et qu'on a aussi souvent, c'est comment fait-on si on n'a pas d'IRP dans une structure, TPE, PME? C'est un vrai sujet. Quand on parle de dialogue social, effectivement, il y a le dialogue social institué, hein, reconnu par la réglementation. Mais même dans une petite entreprise, hein, on peut mettre en place, et c'est le cas des démarches QVT ou démarches QVCT maintenant, qui s'appuie non pas sur le dialogue social, on va dire réglementé, mais sur un dialogue qui permet d'avoir aussi des représentants des salariés qui vont pouvoir, et sur la base de l'engagement aussi de la direction, mettre en place un pilotage et une conduite finalement d'une démarche QVCT à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est tout à fait possible, on est dans une autre forme de dialogue social pour essayer de le dire simplement. Donc, les slides défilant et l'heure passant, on va du coup s'arrêter là sur le jeu de questions-réponses. Peut-être vous indiquer, mais vous l'aurez sur le support, que si vous voulez aller plus loin sur la QVT, QVCT, il y a ce qui relève de la plateforme dédiée à la fonction publique. Hein, vous avez le lien, la plateforme ANACT-MGEN. Et puis, si vous voulez aussi aller plus loin sur les contenus, mais y compris si vous souhaitez trouver notamment des ressources dédiées, notamment l'offre de conseils et de formation sur la QVT, sur une plateforme qui s'appelle Reflex QVT, dont vous avez également le lien ici. Et puis, peut-être pour terminer, deux infos. La première, c'est qu'il y a un webinaire ce soir qui est animé par un collègue sur la prévention des conduites addictives. Donc, si vous ne l'aviez pas repéré, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à y participer. Et puis, le dernier point, c'est la mise en place et la proposition là, du réseau d'un nouveau format, en tout cas d'un nouveau web magazine qui permet finalement de mettre en débat, de mettre en discussion avec la présence de chercheurs, de praticiens ou d'experts du réseau ANACT-ARACT sur différentes questions qui sont des questions d'actualité. Donc, vous avez une prochaine réunion une prochaine web magazine qui a lieu le 27 avril prochain, hein, ça s'affiche là à l'écran. Donc n'hésitez pas pour y participer et découvrir du coup ce nouveau format là, qui est mis en place et proposé par notre réseau. Voilà. Aline, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Il y a tellement de questions passionnantes sur lesquelles oui. On aurait pu aller, mais voilà. C'est clair, ça mériterait presque une séance, mais centrée questions-réponses. Exactement. Ok, bon, on va y penser. À ce moment-là, on reviendra vers vous sur les modalités qu'on peut proposer, mais effectivement, il y a beaucoup de questions pertinentes qui sont posées. Très bien, on propose du coup de clôturer la séance et ce webinaire. Merci d'être restés aussi nombreux, j'allais dire dans cette heure tardive, non, mais en tout cas, on a largement dépassé les 10h15, quasiment 10 minutes. On s'en excuse, mais en tout cas, c'était intéressant de pouvoir essayer de répondre à un maximum de questions dans ce temps-là. On vous remercie vivement de votre participation. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci Aline et puis merci aussi aux collègues qui ont préparé, participé, fait la modération. Heureusement qu'ils étaient là, ils nous aident beaucoup pour faire ce travail de présentation devant vous ce matin. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Au revoir.